Ce fut le 11-11 à 11h du soir d'une certaine année que Dieu envoya au monde son serviteur Komissa Soleil pour éclairer les ténèbres de ce monde. La repentance, le retour du Christ, l'enlèvement de l'Église, la délivrance, la puissance, la plénitude et l'onction du Saint-Esprit sont les messages que le révérend pasteur Soleil Komissa annonce à travers l'humanité. Suite à ces puissants messages révolutionnaires, des nombreuses vies ont été radicalement transformées. Dans chacune de ces réunions, les gens ont toujours expérimenté et témoigné de la main agissante de Dieu. Des vies sont sauvées et abondamment bénies à l'écoute de cet homme que Dieu utilise puissamment. Avec ses messages christocentriques, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. On est allé enterrer Lazare. Et Lazare est enterré. Le premier jour, Jésus n'est pas venu. Deuxième jour, troisième jour, le corps s'est décomposé, la personne est partie. Alors, pendant que la personne, le corps s'est décomposé, c'est là que Jésus s'approche. Bien aimé, pendant que les hommes sont découragés dans ta vie, pendant que tu es au bout du rouleau, pendant que tout est noir, c'est là que Dieu s'élève. Quand le médecin dit que ça, médicalement, ça ne peut pas s'opérer. Ça, selon le médecin, c'est incurable. Normalement parlant, ici, nous ne sommes pas dans une réunion de normalement parlant. Nous ne sommes pas dans une réunion de biologiquement parlant. Mais ici, nous sommes dans une réunion de surnaturel. C'est pas une réunion de surnaturel, c'est-à-dire où Dieu appelle des choses qui n'existent pas comme elles. C'est comme ça, je vois déjà ici se promener avec leurs enfants. Amen. Moi, je te vois. Amen. Peut-être que tu me dis, mais pasteur, moi, je ne suis pas encore marié. Moi, je te déplace déjà dans la foi. Amen. Je te vois non seulement marié, mais je te vois déjà avec tes enfants. Amen. Je ne te vois pas non seulement disant que je suis guéri, mais je te vois marchant en train de chercher ton travail, de conduire que Dieu m'a sauvé. Alors, je te crois, c'est là. Amen. Je dis, ce n'est pas une réunion, que... mais c'est toujours c'est comme ça, non? Toujours c'est comme ça. Je te dis aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Amen. Je te dis aujourd'hui ce n'est pas comme ça. Amen. Aujourd'hui c'est la fin de ton problème. Amen. Il y a une vie et il y a une fin. C'est encore possible. Amen. N'as-tu pas vu quelqu'un qui avait un problème qu'on peut avoir la solution? Amen. N'as-tu jamais entendu? Amen. Aujourd'hui c'est ton tour aussi. Amen. Le panier est en train de circuler. Amen. Celui qui est dispo va être servi. Amen. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Que seulement ton cœur soit ouvert au Seigneur. Que seulement ton cœur soit disposé. Les choses ne seront plus les mêmes. Alléluia. Amen. Je sais que ta gloire est répandue dans la salle. Mais pendant que je suis en train de parler, sa gloire peut déjà te toucher. Alléluia. Amen. L'Esprit de l'Éternel porte ses yeux même pendant que je suis en train de parler. Pendant que je suis en train de prêcher, sa puissance et son onction peut déjà venir sur toi. Amen. Seulement si tu es disposé. Et Lazare était la mort. Premier jour, deuxième jour, je me l'ai dit à quelqu'un qu'il a entendu que tu es mort. Amen. Ton mariage est mort. Tes enfants sont morts. Tout ce que tu veux avoir sont morts. Mais il est enchaîné, il arrive. Amen. Il arrive. Et quand il est arrivé, il a trouvé que Lazare était déjà mort. Mais la sœur de Lazare a dit, Seigneur, mais si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu étais là, alors le Seigneur voit toutes tes inquiétudes. Et le Seigneur a dit, est-ce que ne t'ai-je pas dit que si seulement tu crois, c'est la gloire de Dieu.
Est-ce que ne t'ai-je pas dit que si seulement tu crois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Amen. Je veux pouvoir poser des actes de foi si vous croyez. Je veux que cette salle soit transformée en une salle de fou. Amen. Hein? Est-ce que tu crois que c'est possible? Amen. Est-ce que tu crois que c'est possible? Amen. Chaque fois, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose, c'est la même chanson. Mais qui croit que c'est différent aujourd'hui? Amen. Merci, Saint-Esprit. Yes. Alors, Lazare, mort. Mais je ne t'ai-je pas dit que si c'est mort, tu crois. Mais tu sais que tous les gens qui meurent ne résistent jamais. Ça, c'est eux et ça, c'est toi. Hein? Ton histoire n'est pas pareille à une autre personne. Amen. Tu es venu seul au monde. Amen. Pour être ensemble, né le même jour, mais chacun a son histoire. Amen. Chaque jour n'est pas pareil. Donc, on a toujours prêché ça. Mais aujourd'hui, c'est un jour différent. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour dit différent. C'est pour toi que ce séminaire est organisé. Alléluia. C'est pour toi que ce séminaire est organisé. Amen. Mais si seulement tu crois, yes. Est-ce que quelqu'un croit ici? Amen. C'est encore possible. Et tout rêve. Et de voir venir des beaux jours près de moi. Et de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Et de vivre son bonheur. C'est encore possible, tout est fait, et de voir venir un beau jour plein de vent, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimé, et de vivre son bonheur. Je dis à quelqu'un que c'est encore possible. Amen. Est-ce que tu veux venir accompagner quelqu'un sur la terre? Non. Est-ce que le péché que toi tu as fait, c'est plus puissant que le péché des autres? Non. Hein? Les péchés que toi tu as fait, c'est plus pour ça que les péchés des autres? Non. Je dis que c'est ton jour. Amen. Je dis que c'est ton jour. Alléluia. Je dis que c'est ton jour, ma soeur. Amen. Je dis que c'est ton jour, mon frère. Amen. Alors, Lazare, K.O., parti. Mais Jésus dit, ôtez seulement la pierre. Si vous ôtez la pierre, vous verrez le miracle. Si seulement vous ôtez la pierre, la première chose, si vous croyez. Avoir la foi. Si tu as la foi, tu verras le miracle de Dieu. Deuxièmement, la foi seule ne suffit pas, mais vous devez ôter la pierre. Il y a une pierre qui empêche ton Lazare de sortir. Je suis venu t'annoncer. Il y a longtemps que ton Lazare devrait déjà sortir. Laisse l'Esprit de Dieu te toucher comme il veut. N'anticipe pas ton cœur. Laisse-toi aller par le Saint-Esprit. Ton problème a fait longtemps. Ça va vous tirer. Mais ton Lazare, il y a longtemps qu'il devait déjà sortir. Mais puisqu'il y a une pierre, il y a toujours une pierre. Vous savez que Jésus est Dieu. Il pouvait prier pour que Lazare puisse sortir même de... Comment? Puisse sortir de l'ordinaire. C'est-à-dire, Lazare sort et Lazare pouvait quitter le ciel et descendre. Mais Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, ôtez d'abord la pierre. Ôtez la pierre. Il vous arrive dans des réunions où vous ne croyez pas à la personne qui prêche. Tu ne peux jamais être guéri. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous doutez du messager, vous ne recevrez pas la bénédiction du messager. Amen. C'est lui qui vous recevra tant que met sur la terre et votre bénédiction reste dans sa vie. Amen. La bénédiction d'un homme de Dieu reste dans ta vie quand tu crois que c'est un saint homme de Amen. Dieu. C'est ça peut-être ta pierre. C'est ça la pierre que tu dois ôter. C'est quoi la pierre? Il y a quelque chose qui demeure dans ta vie jusqu'aujourd'hui que tu n'arrives pas à abandonner jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur est prêt pour t'étonner. Le Seigneur est prêt d'opérer le miracle dans ta vie. Le Seigneur est prêt d'accorder ce que ton cœur désire. Mais la pierre, le problème c'est la pierre. Il y a une pierre dans ta vie que tu dois ôter. Il y a une sœur qui m'appelle. Je salue tous nos amis de pain du soir, est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Amen. Nos amis de pain du soir, est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que je peux voir vos mains? Ok, Dieu vous bénisse. Que Dieu réponde à toutes vos prières. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères, mes chers amis, il y a la pierre qui bloque les choses. Dieu est prêt pour agir, mais le problème c'est quoi? C'est la pierre. Ôtez la pierre. Vous savez que si la famille de Lazare avait refusé d'ôter la pierre, Lazare ne serait pas sorti. En fait, Jésus est prêt pour faire dans ta vie, mais il y a quelque chose qui l'empêche d'agir. Il y a quelque chose qui l'empêche d'agir. Jésus veut opérer le miracle. Jésus veut t'accorder ce que ton cœur désire. Mais est-ce que la pierre est-il ôtée? Peut-être ça va te faire rire ou ça va te faire mal, je ne sais pas. Il y a une sœur qui m'appelle. Pasteur, je veux que Dieu agisse dans ma vie. Je veux vraiment que Dieu me bénisse toute ma vie. Elle est bloquée, rien ne marche. Je vis avec un monsieur. Je dis, ma sœur, d'abord, la première chose que tu vas faire, c'est d'arrêter de vivre avec un monsieur. Tu vas vivre avec ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois arrêter de vivre avec un monsieur. Tu vas vivre avec ton mari. Si tu vis avec un monsieur seulement, ce monsieur-là peut constituer un blocage pour toi, puisque vous n'êtes pas dans la crainte de la parole de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est quoi la pierre dans ta vie? Le Seigneur veut te bénir. Le Seigneur veut t'élever. Mais tu dois d'abord ôter la pierre. Il y a une sœur à moi, une sœur que j'ai encadrée à Kinshasa. Cette sœur-là venait à l'église. Cette sœur était à l'intercession. Cette sœur servait Dieu. Cette sœur allait à l'évangélisation, mais il y avait une pierre dans sa vie. Son âge avançait, mais elle n'avait jamais le mariage. Puisqu'elle-même n'a pas honte de témoigner de cela, moi non plus je n'ai pas honte. Alléluia. Amen. Elle venait à l'église, elle voulait se marier, mais elle n'arrivait toujours pas à se marier. Elle était zélée à l'église. Elle parlait même en langue, on l'avait posé les mains, elle parlait même en langue. Mais pour avoir le mariage ne venait toujours pas. Elle a beaucoup prié. Pendant toutes les retraites de l'église, la sœur était toujours présente. Elle prenait sa dîme chaque fois, elle donnait aussi. Mais la sœur, en faisant cela, avait des copains, des amants à gauche et à droite. Seigneur, donne-moi le mariage, je veux me marier. Ma soeur, mais tu te vois déjà mariée? Tu t'es déjà fait marier toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quel autre mariage que tu demandes à Dieu? Puisque pour toi, tu t'es déjà fait marier toi-même. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui empêche et de la fessure de l'aucun chagrin. Pourquoi tu souffres dans ton mariage? Puisque ce n'est pas Dieu qui a béni. Tu es entré par toi-même. Et cette sœur a beaucoup souffert. L'âge avançait. Elle s'est décidée un jour, elle a dit, je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Je veux seulement mettre de l'ordre dans ma vie. Elle a remis sa vie en ordre. Elle a dit, je renonce avec tous les copains, tous les petits amis, je reste seule. Je veux rester toute seule. Elle a abandonné. Elle est venue à l'église, elle a commencé à persévérer. Elle nous a dit, j'ai tout abandonné, j'ai tout à abandonner. Seigneur, me voici, fais de moi tout ce que tu veux. Amen. Elle arrivait que, des fois, elle manquait même du savon. Elle manquait même le lait de beauté. Mais elle restait ferme au Seigneur. Amen. Elle restait ferme au Seigneur. Et Dieu a opéré un miracle dans sa vie. Au bout de quelques temps, la persévérance et la sainteté payent. Quand elle a ôté la pierre de sa vie, Dieu l'a béni. Il y a un pasteur qui est venu prêcher à l'église. Un pasteur qui est venu, qui a quitté l'Europe, qui est allé prêcher dans notre église en Afrique. Alors, pendant que l'homme de Dieu faisait son séminaire, il y a un frère qui appelle son pasteur. Pasteur, Dieu m'a dit que mon mari se trouve couché. On dit bien dans le monde qu'on reconnaît les vrais amis dans le malheur ou dans les souffrances. On se trouve dans l'église où Dieu est allé prêcher. Ah bon, tu as vu ça? Oui, je vis dans un songe que ma femme à moi se trouve dans l'église où Dieu est allé prêcher. Est-ce que tu peux me décrire la fille, puisqu'il y a beaucoup de filles ici à l'église? Il y a beaucoup de filles. Est-ce que tu peux me décrire la fille, comment elle est? Elle a décrit la morphologie de la sœur. Et le pasteur aussi regardait. Elle voyait quelqu'un de semblable à ce que le pasteur, le frère avait vu. Et le frère promet même au pasteur, pasteur, quand tu vas retourner l'année prochaine au pays, tu iras avec moi. Je te montrerai cette femme-là. Et l'année prochaine, ils sont rentrés avec les frères. Ils sont allés au Congo avec les frères.
Il regarde nos femmes, c'est celle-là. Et c'est la femme du pasteur, que le pasteur voyait aussi. Alors, la sœur là, aujourd'hui, elle est à l'Europe. Vous voyez, les frères Saint-Antillais, Martiniquais, mais Saint-Antillais, non? Voilà. Donc, et aujourd'hui, ils sont ensemble. Et la sœur me dit, c'est plus que je mis du sérieux dans. J'ai ôté la pierre. Le Seigneur veut te bénir. Tu veux le bénir, mon dame, tu resteras comme ça. Tu veux t'attacher aux miettes. Tu vois tout ce que tu vois là. Tout ce qui est à quoi tu t'attaches, ce sont des miettes. Le vrai mari, c'est le Seigneur qui les donne. En fait, le Seigneur est bien pour agir. Ça, c'est un exemple que j'ai donné. Mais dans beaucoup de domaines, il y a des pierres dans nos vies. Le Seigneur est prêt de te donner ce qui est ton cœur des yeux, mais seulement il y a une pierre. Et cette pierre-là empêche le Seigneur d'agir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu lui as ôté la pierre de ta vie? Jésus dit, ôtez d'abord la pierre. Jésus, c'est l'opérateur de miracles. Jésus appelle à l'existence des choses qui n'existent pas, comme si ces choses-là existaient. Ma soeur, pourquoi tu as des copains, des copines? Mon frère, pourquoi tu as des macarons? Moi, ma sœur, pourquoi tu as des macarons? C'est ça qui t'empêche d'être marié. Alléluia. Soit si l'autre avait des macarons et elle s'est mariée, ça c'est elle. Toi, tu n'as pas les mêmes combats qu'elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ton combat à toi n'est pas son combat à elle. Son combat à lui n'est pas ton combat. Mais pourquoi lui a fait les mots où lui il est allé de gauche à droite et il est béni? Vous n'avez pas le même combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne te compare jamais à quelqu'un d'autre. Vous êtes là en train de faire la publicité au boulevard, à prendre des maris, des femmes. Mais quand tu vas souffrir seul. Amen. Puisque vous n'avez pas la même étoile. Amen. Je voulais donner l'exemple de Pierre et de Paul. Paul dans la prison, Pierre aussi dans la prison. Pendant que Pierre était dans la prison, Pierre dormait tranquillement. On a même promis que demain on va couper ta tête. Mais elle ne priait même pas, il dormait. On dit qu'au milieu de la nuit, un ange est venu dire, Pierre, prends ton manteau, prends tes chaussures et sors. Pierre n'a pas prié. Mais Paul aussi était dans la prison. Mais Paul, on dit qu'au milieu de la nuit, il priait et il leur chantait. Pourquoi? Ils n'avaient pas les mêmes combats. Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul avait une grande étoile. Paul a écrit presque la moitié des livres du Nouveau Testament. Il était un homme le plus élevé parmi tous les apôtres de Jésus. Bien qu'il n'avait pas vu Jésus. Vu que son étoile était grande, son combat aussi était grand. C'est pourquoi tu peux faire la même bêtise avec tout le monde, mais toi le diable te rattrape. L'autre est ici, mais toi le diable te retient. Alors ne te compare pas à Paul puisque toi tu es Pierre. Ne te compare pas à Pierre puisque toi tu es Paul. Il y a des autres qui résistent facilement. Mais regarde dans ta vie. La vie n'est pas facile pour toi. Pour toi, les mariages n'est pas facile, les papiers ne sont pas faciles, la vie n'est pas facile, la vie est dure pour toi, puisque tu as une grande étoile dans ta vie. Amen. Plus ton étoile est grande, plus ton combat aussi est grand. Amen. On a donné des prophéties sur toi que tu iras de l'avant, mais jusqu'à là, ces prophéties-là ne se réalisent pas. Tu vas te battre, tu vas prier et chanter comme Pierre, comme hein, Pierre, Amen. Paul. Comme Paul. Tu vas chanter pendant la nuit pour que ta délivrance arrive. Si tu dors comme Pierre avait dormi, l'ange ne viendra pas chez toi. Mais pour que l'ange arrive dans ta vie, il faut que toi tu te mettes à prier et à jeûner. Est-ce que vous avez senti la différence? Amen. Mais c'est quelle pierre qui habite en toi? Que le seul reste seul. Sans copain, sans amant. Que le frère reste comme ça. Abandonner les faux chèques. Arrêter avec le mensonge. Arrêter avec des films pornographiques. À abandonner les images obscènes. Ce sont des pierres. Le Seigneur veut agir, mais ôtez d'abord la pierre qu'il y a là. Amen. Vous êtes là, il y a une soeur, il y a une fille qu'on a délivrée, une soeur à Paris. On a prié. Ça, c'est la première fois que je voyais ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'Ingala ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'Ingala? Tout le monde comprend l'Ingala, n'est-ce pas? Tout le monde a commencé à la boucle de l'évangile, il doit venir à la mission de Zébola, première fois. Si on a commencé à la boucle de l'évangile, ça va venir en bas. Alors, venez en tête, on a dit, première fois, on a parlé carrément. Devant les gens, une sœur
Alors, c'est à nous qui s'habillent là-bas. Il y a la tolo, cotolo, à danse naïve. Alors, j'ai dit au pasteur, si tu as dit ma camoille, battez-vous à vous, on va se côté. Oh, il faut pas gêner à ma casse. Tu as dit au pasteur, nous sommes. On a prié, battez-vous à la maquette. La vie à la fois, il y a aussi un fou pour ta maquette, il dit 3 jours pour battez-vous, il va s'arrêter. On a demandé à la fille. La fille a dit que les 7 démons là, il y a moyen pour tout. Il y a sirène, ma copine là. Dans Paris, dans la boîte de nuit, dans la boîte de nuit, quand j'étais là, il va dire l'esprit de côté à l'un et l'autre. Par l'esprit de côté à l'un, jusqu'aujourd'hui, on dit que nous allons arrêter. Mais à Zawa, je vais la question de la moralité. Mais à Zawa, je ne peux pas rester comme ça en fait. Dans la boîte de nuit, il n'y a pas de boîte de nuit à gauche à droite. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait encore une pierre dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Il y a peut-être aussi quelque chose que tu affectionnes beaucoup mais qui ne glorifie pas Dieu. Dieu veut agir. Mais est-ce qu'as-tu déjà compté ta pierre? Jésus veut agir. Jésus veut te bénir. Moi, je vois beaucoup de sœurs et de frères se marier, même cette année. Amen. Mais c'est là que tu as ôté la pierre. Est-ce que tu as déjà ôté la pierre? Il y a plusieurs pierres. Si je me mets à parler de pierres ici, on va dormir là. Toi-même, tu connais la pierre qui empêche que ton Lazare sort. Mais je suis venu te dire que ton Lazare va sortir maintenant. Je veux te dire que ton Lazare va sortir maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que son Lazare sorte? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que son Lazare sorte? Amen. Bien-aimé, Jésus a dit, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Alors, quand on ôte la pierre, on voit la gloire de Dieu. J'ai dit à tous ceux qui vont accepter de souffrir pour Jésus, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. J'ai dit à tous ceux qui vont accepter de souffrir pour Jésus, que Dieu vous bénisse, maman. J'ai dit à tous ceux et à toutes celles qui vont accepter de souffrir pour Jésus, que vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne te promets pas que ça sera facile d'un coup au début, mais tu vas souffrir. Amen. Et après, le Seigneur va essuyer les larmes. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Ils m'ont dit qu'ils ont sauté du gêne. Ah, ils ont obéi que là, on a sans esprit. Ils vont dire qu'on a mon autobobo. Ils vont dire qu'on est Niama. Accepte qu'il va venir à Niama. Amen. Mais Dieu te levera. Amen. Et quand Dieu te levera, les gens vont s'étonner. Alléluia. Quand Dieu va te lever, ils vont changer leur langage. Amen. Dieu, quand Dieu va te bénir, ils viendront demander conseil. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Amen. Là, là-bas, ça sera différent. Amen. Alléluia. Amen. Comment est-ce que tu as dit 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 que tu as dit
Mais il arrive que tu as déjà accepté Jésus. Mais rien ne marche dans ta vie. Il arrive que tu as déjà accepté Jésus. Tu as quitté les ténèbres. Maintenant, tu es dans la lumière. Mais jusqu'aujourd'hui, tu ne fais que pleurer et pleurer. Entre-temps, tu dis, Seigneur, tu as dit que vous connaissez la vérité vous la franchira. Tu te frappes même la poitrine. Tu es affranchi seulement dans ta bouche. Mais dans les verbes, quand? En fait, ce que la parole de Dieu dit et ce que toi tu vis, c'est aujourd'hui différent. Bon, la Bible dit, si quelqu'un est un Christ, il devient une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles en toi? Non. Tu es la personne qui pleure toujours. Tu dois bien voir ta vie. Bien aimé, on a mal prêché la parole de Dieu. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur dans l'église qu'on appelle les assemblées de Dieu, les KDC. Chez nous, dans les KDC des assemblées de Dieu, on dit qu'un chrétien ne peut pas être lié par un démon. Tu vois, quand tu commences à prêcher, il ne faut jamais dire qu'un chrétien est lié. Il faut toujours prêcher qu'un chrétien ne peut pas être lié. Mais plus on grandit dans la foi, plus on examine les Écritures, on voit qu'il y a des chrétiens qui peuvent aussi être liés par un démon. Pour preuve, il y a beaucoup de chrétiens dont les choses ne marchent pas. Il y a des chrétiens qui ont envie de se marier mais qui ne peuvent pas se marier puisqu'il a bloqué. Il y a des gens qui veulent travailler mais ils ne peuvent pas travailler puisqu'on a bloqué le travail. Il y a des gens, les corps sont liés, ils veulent être libres. Mais en fait, autant vivre, mais autant vivre selon volonté dans la vie. Est-ce que ma moto vivre est exactement ma gamme lignée? Autant la terre est posée au vimo au boyau, au vimo lignée dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que la vie que tu mènes, est-ce que le livre va vivre? Hein, ma soeur? La vie que tu mènes là, est-ce que tu préfères voir cette vie là? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la Bible dit, je veux que vous prospériez en tous les égards. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir tes enfants. Maman. La volonté de Dieu est que tu puisses te marier. La volonté de Dieu est que tu puisses avoir un bon mari, une belle femme. Mais maintenant, quand on n'a pas la vie pour ma boxe. Mon père, il a encore fait un entraînement à boxe qu'à les autres. Le mariage, c'est un lieu de bonheur. Mais après, on dit pas les comment ici qu'à les tombes. Des fois, quand ton mari n'est pas là, tu es contente. Tout le monde est à la zone pour m'obéir. Ah, pour m'obéir. Tout le monde est à moi, c'est un lieu pour m'obéir. C'est-à-dire, ta femme ne te donne plus la joie de vivre, mon frère, ma soeur. En fait, la vie que tu mènes, tu ne veux pas mener cette vie-là. C'est-à-dire, la vie vieux, au minimum, avec le premier, bien beau. Puisqu'il a dit que il y a mais il n'y a pas les deux à la ou bien le bateau au bout d'un bateau, il y a un bateau au lieu limité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un bateau à la Kavarazak. Mais la chose au bout d'un bateau, il y a un bateau à la Kavarazak. Alors, je lui ai fait cette île dans ma peine. C'est pour moi, t'as mon rapport, t'as mon rapport. T'as vu le frère, tout le monde m'a dit ça, très bien, t'as mon rapport. Pour pardonner dans ma peine. Hein? Je dois être un monsieur sérieux. Mais la chose au bout d'un bateau à Kavarazak, hein? Merci. En fait, les gens que tu rencontres, ils ont appuyé au Ligui, est-ce qu'on est dans le salaire? Tu es content quand tu vas au travail? Moi, je dis que chacun va au travail, on est là. Ah, Seigneur, viens avoir un autre que moi. Nous sommes là, mais nous, on est échafaudage. Seigneur, nous, on va aller dans la route. Donc, on voit que dans le salaire, on va nous dire que nous avons raté. Est-ce qu'il y a un ménage? Est-ce qu'on va dire qu'il y a un ménage là qui brûle? Prêchez! Est-ce qu'on va dire qu'il y a un ménage là qui brûle? Prêchez! Est-ce que tu laisses vos frères? Comment j'ai fait la manifestation? Est-ce que tu as vu que j'ai eu une manifestation à lui? Oui, il y a une portée, manifestation. C'est ça, une manifestation. Hein? C'est ça, c'est ça. Quand toi, tu chassais, tu ne pouvais pas faire ça. Quand les hommes savent qu'il y a une manifestation, est-ce que tu dis que quand on s'en va, 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 Mais il y a des gens,
Alors ça, c'est bien comme ça, Amen. Parce que on a quatre terres pour ces plans. Pour les idées, des fois qu'il a comme ça la solidité, au bout d'un moment, on voit qu'il est vraiment malin, il va mieux résoudre ça. Au moins, on a rien à dire sur une tarte déjà à un moment. Au fond, il y a rien à dire. Au bout d'un moment, on a rien à dire. Des fois, on met un propaganda, il n'a rien à dire comme si on s'en allait. Est-ce qu'on est bon? C'est là du coup, bye bye, pour imposer. Alléluia. Est-ce que c'est toi qui veux mener cette fille-là? C'est-à-dire qu'on est venu t'imposer une vie. On commande au bois une photo, on commande mon gars la photo, on commande un beau. Donc, viens de vivre, hein? Et là, il y a beauté. Même si tu es quelqu'un, même si on s'en a qui, on a s'en a qui, boy, boy. Ah ouais, il faut qu'il t'en a, il y a zéro. Mais ça peut changer si tu veux. Amen. Si tu veux, ça peut aussi changer. Si tu veux, ça fait aussi changer. Au moment que mon mari va se balayer la profil, le roi m'a dit des athées, parce que l'idée est que si on fait des athées, le monde est dans la boue, on a fait un mot de canda, si on veut aller, et puis, est-ce qu'il y a des athées pasteurs pour faire des athées? Est-ce qu'il y a pour l'intérêt, tu ne seras jamais heureux de ton âge. Alléluia. En fait, nous avons passé dans le qui l'a monité. En fait, moi, si je n'avais pas été, alors vraiment, moi, c'est pas pour n'agater. Mais dans le qui, nous avons n'agater pasteur. Le papa a dit que nous avons fait ça. N'a pas. Parce que le mieux, ah, je n'ai pas été, car nous avons été. Si vous ne pouvez pas se faire ça, là, je vais en gagner. Voyez, vous voyez, faute de mieux, la fin du son, en d'abord. Si vous êtes au fond de la papa, nous sommes dans la carte de Banda. Vous avez dit que vous êtes au fond de la carte de Banda. Vous avez dit toi, tu as dit que 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 alléluia. En fait, moi, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que les gens se moquent de toi. Toi, c'est à cause des circonstances, tu commences à vivre une vie où il y a une vie. Mais la Bible dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de paix, de bonheur et de malheur. Tara poto mini basi ngira ni bali batangula mini ngira mote eh omna mbali ya kuna mwasi na sima parce que on pourquoi parce que on se connaît mon bali ya mwasi na ifa de la première première la mwasi na elle on la prendra pour la sima là dessus mais est-ce que on pourquoi on pourquoi 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 papa tu la mwasi est-ce que bien pour avoir sonia pour la famille de la mwasi na elle allez allez. Et c'est là, moi, si moi, on a plus on va y aller, on va y aller, moi, si je suis carrément là. Au moins, si moi, c'est un morceau, il y a qu'un ciment. On a un ciment. Ah, papa, est-ce que tu as vraiment maman? Mais faut faire un peu de ce qu'il y a, moi, non, maman. Mais là, si mon frère, il y a un ciment sur le monde. Comment tu as gagné sur moi, c'est un ciment? En plus, on va gagner la même bus là, moi, c'est un ciment. Alors, tu as moi, c'est un ciment. C'est-à-dire, à l'ignoté. Comme à l'ignoté, on vit le bonheur, tu es. En fait, tu vis une vie, oh, je peux pas le dire, oh, tu souffres, tu es nulle part, c'est pas. La Bible dit que les projets que moi j'ai pour vous sont des projets de paix, de bonheur et non de malheur. Tant que vous avez un peu de temps, 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 vous avez un message sur Facebook pour communiquer et vous avez un peu de temps. Vous la comprenez? C'est-à-dire que c'est un travail que tu aimes. Peut-être que l'assistance sociale, ou le monde, c'est un travail que tu aimes. C'est ça. Je vous bénirai, je donnerai ce que mon cœur désire. Vous voyez ce qu'on va dire, mon ami. Puisque il y a plus les a liés. Il y a des liens enveloppés. Bien aimé. C'est ça la terre. Jésus-Christ est venu te délivrer dans ce séminaire. Je t'ai dit, après ce séminaire, les choses doivent changer. Les choses ne doivent plus rester les mêmes. Dès lors qu'il a eu Lazare à Bibi Congo, il avait son visage enveloppé dans la neige. Donc, nous avons mon aïe Lazare à Zate. Il est sorti du Togo, bien sûr. Mais si vous avez un aïe Lazare, c'est vrai qu'il est sauvé. Le fait de quitter le Togo, n'a pas eu à c'est le fait de quitter le monde païen et d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Le son du Maïsou. Lazare fait à l'oumoué, la ténèbre à yépé. Mais on ne peut pas voir son visage. Vous êtes chrétien. Vous voyez pourquoi on va la rater des fois? Est-ce que vous voyez que la photo est dans la base de votre bâtiment du Badia?
Est-ce que vous voyez Yes. Nami Bali, mais tout là. Alléluia. Nami Bali, mais tout là, la photo. C'est-à-dire que, on peut y aller partout. Mais on peut y aller. Mais on peut y aller à la royauté. Vous avez un frère, moi, qui est dans ma foyer, alors t'as vu ma chemise à Pembe, ma chemise, on peut y aller, mais à Pembe. Alors, vous, quand il y a ma France, ça tient la poche. Alors, vous, quand il y a ma foyer. Je vais vous faire un peu de temps. Est-ce que tu comprends? Pourquoi on est voilé? D'abord, il est voilé. Si ton visage est voilé dans mon aïeux, on ne peut pas te voir. Ce que j'appelle de voir, ce sont des liens. Il y a un masque qui est pas vrai. On est dans la ténèbre. Mais si les autres sont là qui ont d'amitié, on est dans la délivrance. Ou soit on est dans la délivrance, mais la délivrance, c'est la vie de la vie sincère. Makambo, tikaka, on est là. C'est-à-dire, diable, on est là, on est là, on est là, on est là, on est Mais soit tu vois les gens de l'homme, on ne peut
peux jamais voir ton visage. Et là, on se souvient, en anglais, en français, on a pour son monde à Moutouane. Au senti français, on va valider. Au senti la français, on va mourir. Mais la français, n'a mieux qu'on a moins sensible de papa. Pourquoi? Parce que l'on est là, on est là, on est là. On le réserve, on a un tweet. Mais est-ce qu'on va là, c'est un moto? Oui, un moto. Sac. Un moto, là, sac. Il va là, c'est un moto, même. C'est-à-dire, attends, tu as un maquillage. Attends, tu as créé une équipe. Ah, ouais. Parce que tu as un Diable à chaque année, il y a un peu de temps à la pratique. Mais mon père, moi, je vais vous parler au sérieux. Tout le monde, je vais vous parler au sérieux à Dalaga. Puisque ton visage est voilé. On y met un peu de temps, c'est bien. Mais là, vous passez dans les délivrances pour vos sincères. Il y a un peu de temps, pasteur, à faire le tour de ma délivrée. On doit avoir un peu de temps, pasteur. On va dire que le pasteur m'a compagné, il 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 m'a compagné. Au bomba, remettez vos pasteurs à vous débattre. Je te dis, un vrai pasteur, soit ici ma camarade, n'a eu comme ça en tout. Un vrai pasteur ne peut pas raconter ma camarade, il y a eu pas moins de hein? Un vrai pasteur ne peut pas prendre ma camarade, parce qu'on a bien acquis aux dames, à les amours battus. Ah, voilà, il y a un grand tour à venir, le pasteur. Nanana sida, pasteur. Nanana sida positif. Nanana ou madame, vous avez un bon lieu. Nanana, vous avez un bon sang de la mer. Mais l'église, c'est là où on est quand même en garde. On va pasteur n'a pas eu un accident. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que, vous n'êtes pas pasteur, tu as venu me cacher ma commune. Pour le bonheur, pasteur, ma commune, d'abord, vous êtes en garde, mais vous n'êtes pas en garde. Malédiction, vous êtes en garde, vous êtes en garde, vous êtes en garde. Quand vous êtes en garde, malédiction, vous êtes en garde, et vous êtes en garde. Alors, depuis que tu as accepté Jésus, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours les voies des nominales pour passer dans la délivrance. Pour passer dans la délivrance, t'es dit, non. On a le droit à l'Andame, on y est, mais pour passer dans la délivrance. Alors, Lazare a bimé, et nominal Lazare est là, voilé. On a battu au moins, mais on a un monde. Quand on a battu au moins, mais on a eu. On a eu, c'est quand même, c'est fréquent. On a une belle fille, là, pour valider. On m'a dit que tu es un peu plus tu te poses des questions. Comment on va dire que tu es un peu plus tôt? Moi, c'est un peu plus tôt. Et ça, tu as peut-être la dignité. Et ça, tu es un peu plus tôt. Ou bien, tu es un peu plus. Il y a des gens comme ça. D'abord, on voit le monde de l'homme à la combo. Alléluia. On voit le monde de l'homme à la combo. Est-ce que quelqu'un qui croit ça? Amen. Est-ce que quelqu'un qui croit ça? Amen. Est-ce que là, que moi, sinon, des fois, à Sénégal, elle a mon aïe au tant que ça, Sénégal, tant que ça, Sénégal. Pour aller, moi, sinon, qu'à la maison, il y a un mini, là. Pour recevoir des gens, là, on va voir. Parce que la maison, il y a un bain, il y en a mini. Moi, c'est un gars, la maison, il y a un mini. Mais ça fait pour moi, les garçons, bain, il y en a un. Après, ça, on a un cadre, parce que. Parce que mon fils, le gars, on a pas. Bah, toi, je vois le mot, la question de l'homme. Maman, à mon avis, ce sont des gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. C'est-à-dire, même si elle est en train de se faire, elle est en train de se faire. 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 C'est ça que là va tomber. Mais ça va tomber sur ce que l'on a décidé. Parce que là, ça est l'autre. Ce qui est le décision de ton mot qui est calé là. Moi, j'ai remarqué à vous, mais ça peut être plus au Canada. Vous avez un signe de est-ce que vous avez un signe de est-ce que vous avez un signe de il y a même des dans la il y a pas de délivrance dans la congolaise. Alléluia. La salle a fini, mais ma pour les années. Vous avez un signe vous avez un signe limité. Pour ma pour les années. Vous avez un signe de limité. Pour ma pour les années. Vous avez un signe de pour les années. Pourquoi l'église ne fait pas prospérité? Pourquoi les gens ne donnent pas l'air d'une église pour un bon abonné? Bakanga. Mon papa, ça veut 100 euros d'offrande. Ah! Comment? Pourquoi t'appelles ça 100 euros d'offrande? Pourquoi t'appelles ça 10 euros d'offrande dans l'église? C'est tout un problème. Et ces messes sont liées. Vous voyez pourquoi on peut faire une église? Combien de fois on peut faire une offrande dans l'église? 20 euros. Combien de fois dans un mois, on l'a dit dimanche on a pris ça 20 euros, dimanche on a 20 euros, 4 dimanches 20 euros. Est-ce que c'est ça l'a déjà? Au moins, peut-être dans le salaire, mais nous avons appris ça au Mukanda.
Amen. Basta, à tout la gare, t'es
Les gens sont derrière elle pour aller à l'étoile. Oh, Dieu a dit à Abraham, les enfants que je vais te donner seront comme que des étoiles au ciel. Et toi, tu es fils d'Abraham. Toi, tu es fils d'Abraham. En tant que terme, tu es une star. Oh, vous avez bien dit que les la Bible dit que vous serez la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Et la Bible dit, quand vous mettez vos pieds, vous prendrez ces lieux-là en protection. Partout toi tu vas, quand toi tu arrives, les choses doivent changer. Même si avant ça ne changeait pas, mais avec toi les choses doivent changer. Même si tu es là, il y a raté, il y a rapacité, mais le corps d'amour s'est bien allé, après il faut s'approcher. Même si elle a les tumides, comme toi tu es une star au Bolivie, il y a un bon ici. Même si moi je suis dans la vie, elle a blindé, il y a un dans ta catégorie, mais toi tu es une star, mon frère. C'est toi cette personne-là. Quand toi tu on voit qu'il y a une ligne, c'est puisque je suis la star de l'Éternel. Je suis la fille du roi, je suis le fils du roi des rois. En fait, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit de l'Éternel. Ce n'est pas à cause des Français, ce n'est pas à cause de l'anglais, mais c'est à cause de ce que tu as en toi. Bien-aimé, ce qui masque le mot, ta vie change. Si tu as acheté une cathédrale au Congo, ta vie change. Tout commence à aller avec vitesse dans ta vie. On va dire à ton mère, c'est donc de la vitesse. Pour venir pour la photo, il faut qu'elle n'a pas forcément ça à 10 ans ou 15 ans. Dans une année, l'Éternel peut te bénir. Hein? Dans une année, l'Éternel peut te bénir. Il y a un peu de séminaire qui nous coûte un amour, il n'a pas sa vie dans l'eau. Pourquoi je veux ça? Il y a des bénédictions qui sont liées par rapport aux enfants. Il y a des bénédictions qui sont liées par rapport au mariage et aux enfants. Peut-être que nous, dans leur pauvre, vous voyez mieux le côté. Donc, dans vos amis, dans moi, si on va le local. Mais ça, on va la tête, on va le local et on va le local. Il y a des enfants, oh, il va bouger sa famille, il va bouger l'eau. Famille, elle est liée dans la tête. Mais encore, il y a moins de la famille, elle va bouger l'eau dans la tête. Mais ça, on va la tête. Si toi, il va bouger l'eau, il est voilà pourquoi ce séminaire-là est venu. Mais si on est encore lié, rien ne marchera, on ne marchera. Le problème, c'est pas de changer. Attends, changer mon cas. Malédiction est là. Malédiction est de vous garder. Autre réunion, on voit les maninés, les aussi maintenant qui est de Toulouse. Malédiction est là. On a qu'à Paris. La Paris, pour qu'on me gâte. Pour la Paris, parce que la date, là. Et belé. Moi, je vais vous parler. Pasteur, parce que la vie, pasteur, vous qui venez à mon appel, elle, moi, je vais la faute. La vie, la vie, les pasteurs. Vous voyez, on peut le voir à Paris. Puis, d'abord, permettant que nous tentons de me battre à ta 5. Et moi, je l'appelle. Pour vous, là-bas, je suis une église. Il m'a dit, ça, t'es un pasteur. Puis, est-ce qu'on va la prendre en anglais? Il m'a dit, on est là. Si on a l'anglais, on va se voir comme la mise à l'eau. D'abord, on va pas sur le sauté, la piscine. D'abord, on va aller là-bas. Comment on va ici, là? Est-ce qu'on va comprendre? C'est-à-dire que, même à ton chantier Mboka, aucune langue, malédiction est qui voyage à Gat, malédiction qui parle à l'autre. Même si tu changes notre pays, la malédiction, c'est que tu suis. Même si tu changes, le problème, ce n'est pas de changer d'église. Oh, notre pasteur n'a pas de puissance. Oh, notre église ne prie pas bien. Le problème, ce n'est pas l'église. Oh. Le problème, ce n'est pas de changer l'église. Le problème, c'est que nous allons voir le mal et l'ongi. Car il faut voir le mal et l'ongi. Il faut voir le mal et l'ongi. Il faut voir le mal et l'ongi. Bien aimé, au moins, dit, maman m'a dit, on a rien, vous savez, elle m'a dit aussi, là, vous avez maman a dit, téléphone à Béni. Je lui ai dit, pourquoi maman a dit, la beauté pourquoi elle me pose à Galibanda Aligna, la vie, on a Galibanda. Il y a dans la rue, la série, là, il y a aussi qui a dit, là, vous avez dit, elle me regarde. Mais ça, vous avez pas il y a la tête, elle me regarde. C'est pour la table, vous avez dit. Il y a dans la rue, il y a beaucoup, vous avez fait, là, il y a. Que maman, c'était un téléphone. Pour aller, là, on s'est mal à l'aise. Mais elle, papa, t'es où? T'es où là? Papa, comment t'es? Papa, je t'attends pour qu'on mange ensemble. Parce que moi, je m'en dirais pas là. Amina, elle est moko. Amina, elle est oye. Donc, je m'en dirais pas la mina. Mais elle, on dit que c'est là. Faut que tu aies ce qu'il y a la chérie. On dit combien de temps maman s'est allée sur le juge. Quand elle est là, elle a laissé les pères à mes yeux. Est-ce qu'elle a la juge? Pour abattre la caillou. À quoi on va y aller? Mais il faut qu'on ait des gens pour nous réussir. Il faut avoir mieux la séparation, ça la mieux les couilles. Hein? Papa, moi, on a dit ça, ça a dit triplex. A vu, il va y avoir triplex, ça a cabot une bête. A vu, c'est ton cabot une bête. A vu, on a une bête parce qu'à ton mètre triplex. A tiens, ma porte, il va aller au compte à la porte 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 à la por
Il y aura un triplex, c'est mon livre, mon katikati. Bien aimé, ça doit tomber au nom de Jésus. Ça doit tomber au nom de Jésus. Le problème, c'est qu'au niveau de Jésus, à un moment, on voit la longueur. Jésus chrétien, c'est bien. Mais il y a deux types de chrétiens. Nous avons un chrétien spirituel. Un chrétien spirituel est en bonne relation et en bonne communion avec Dieu. Ce chrétien-là ne peut pas être lié par un démon. Maman l'a dit une fois. Mais il y a un chrétien charnel. Dans une église, madame Kanzot. Alors, il y a un pasteur, on appelle ma soeur à bouger, on dit, ma pasteur, vous voyez ça? Comme ça, le compliment, c'est pas mauvais. Mais pour la pasteur, la femme, vous voyez, à bouger, on dit, ah, c'est où c'est la femme d'accord? La femme d'accord, la pasteur d'accord, la pasteur d'accord, c'est le nom. Les pasteurs charmels, ils existent. Alléluia. Ma pasteur charmel, un pasteur charnel, Satan n'a pas encore parlé dans la vie d'Aïe. Venez au bout de pasteur charnel, Satan n'a pas encore dans la vie d'Aïe. Un chrétien charnel à ta vie. Un chrétien charnel à ta doctrine. Diable n'a pas encore dans la vie d'Aïe, pas au vie. Or, la plupart des chrétiens que nous avons dans nos églises, ce sont des chrétiens charnels. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un chrétien spirituel est en bonne relation et en bonne communion avec Dieu. Il sera combattu, mais Satan n'a aussi mal été. Il sera attaqué, mais au nom d'Aïe. Diable, le diable est compliqué. Hein? C'est comme si j'avais pasteur, là c'est bon positif. Mais on va nous donner à l'autre. Dans l'autre, on va mettre la bâtisse à Sida, la bâtisse à vous, et donc quoi, on va nous mettre. Non, mais la bâtisse, à nous, et dans nos sens à nous. C'est-à-dire, à ton menu, pour faire ça. Allez, pasteur, la donne est battue. Frère, mon voyage, pour ton Sida, à ton autre, est-ce la cause de la vie présidente? Faut que les gens m'en offrent. À l'autre, ça cause à charger ma minute. Alors, on a une balle. Un chrétien spirituel ne peut pas être lié, mais un chrétien charnel et les autres, va dire qu'on va dans la vie, on va lier. On est un chrétien, mais tu es charnel. Or, la plus grande partie de la chrétien que nous avons dans nos églises, ce sont des chrétiens charnels. Pourquoi le problème ne change pas? Pourquoi le problème reste le même? On chasse les démons aujourd'hui, le vie chrétien a dit à nous, il est pas sous moi. La Bible dit, si les démons a mis dans notre monde, pas qu'il n'y a pas. Il a dit à la personne qui est conseillée, mais qui n'a pas fait le film porno. Au moins, il y a un film porno. On va dire qu'on s'est masturbé. Car la vie n'a pas été. Si on a commencé à faire une vie, tout le monde a dit qu'il n'y avait pas de la vie. Il y a un autre qui a dit qu'il n'y avait pas de la vie. Donc, il y a un autre qui a dit qu'il n'y avait pas de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont été guéris. Tu vas dire qu'il n'y a sept fois plus. Car quand j'étais païen, les choses allaient bien pour moi. Mais depuis que je suis devenu chrétien, les choses se sont empirées. Puisque ma vie m'a caméra, ma tête, la zone va m'en dire, tu es toujours dans le mal, ma côte, ma canal, ma casse. Est-ce que tu ne peux pas me prier aussi là? Pour ça, la casse pour l'église, au fond, ça va me sauver. Mais si on a gaffe, nous autres, le tout coup. Si on a gaffe, nous autres, nous avons maintenant, on a l'opinion de l'hôpital.
Vieux débat. Un chrétien charnel peut être lié et possédé par un démon. Bon, diable, soit vieux, mon comptable, ça l'oublie. Mais pourquoi ça l'oublie? Toi, il dit qu'on est gagné. Au nom de Jésus, il y a un peu de gagné. Après, on est gagné, tout est un peu de gagné. Il y a un peu de gagné, il y a un peu de gagné. Il y a un peu de gagné. Et là, il y a un peu de gagné. Attends, j'ai lié pendant 40 jours. Attends, qu'elle a veillé à Kokota. Pourquoi Kokota? Attends, trouver porte d'entrée des amis. Enlève la pierre qu'il y a dans ta vie. Quand nous voulons un pasteur, tu es. Au moins, il soit pasteur. Attendez, la Oganga. Ceux qui vont changer, tu es. Nous, au moins, ils arrêtent. Regarde, tu me comprends, mon frère. Même si on va changer, tu es. Ma terre, on est là. Et ça, la Kola. Qui se tient dans Kota, il y a salité. Attends, tu dis, Kota, tu tiens qui s'est dans Kota, salité. On doit d'abord enlever la saleté. Mais quand on enlève la saleté, ça fait mal. On dit vraiment Jean-Pierre. Ah, là tu gagnes une dame. Dieu soit recomblé pour tes malades. Là tu gagnes vraiment Jean-Marie. Si tu dis Anne-Marie, d'abord on parle de la vie. Vous savez, dans le royaume des cieux, il faut d'abord perdre avant de retrouver. Vous devez d'abord perdre. Hein? C'est le principe de qui perd gagne. En chimie. Loi à Lavoisier. Lavoisier a dit en chimie que quand vous perdez les électrons, c'est ce corps-là qui perd les électrons qui est en train de gagner. Mais quand vous en gagnez, c'est vous qui perdez. C'est ça aussi dans la vie chrétienne. Jésus a dit celui qui perdra sa vie à cause de moi. On perd de Jean-Pierre, on perd de Anne-Marie, on perd de l'Eurone Solidar à cause de Jésus. Jésus va combattre. Là, quelqu'un me comprend. Lazare a couffé. Tu es si bon hommage, adorateur. La lumière doit comprendre qu'il y a des chrétiens qui sont liés et il y a des chrétiens qui ne peuvent pas être liés. Il y a la lumière qui doit comprendre bien. Alors, ma mage, à Bokende, des adorateurs, Dieu cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent Dieu à l'esprit et en vérité. Alors, oui, nous avons dit la Bible, la Bible, nous avons dit qu'il doit adorer Jésus. Et là, qui va adorer Jésus? Par combien la cascade dans Zéla? Et toi, le bonheur, comme on a, et toi, l'amour, et tout le monde a insulté. Il arrivera dans, sur ton chemin où tu ne verras plus les choses comme toi tu les désires. Mais qui est seul, la présence de Dieu te rassure. Là, si quelqu'un me comprend, il arrivera sur le chemin de ta vie où les choses vont aller comme toi tu le voudrais, pas. Les choses vont se compliquer. C'est ça. Votre étoile meurt. Ton étoile meurt. Ton étoile ne peut plus réagir. Mon frère, là, tu es vu comme un être humain normal. Le Seigneur ne rejette pas pour toujours. Quand vous tournez vers le Seigneur le regard, vous avez un visage rayonnant de joie. Jésus-Christ a dit, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais dans le monde des ténèbres, on est en train de discuter sur ton sort. Comment que Yahoba la tête? Agoba la menarita, yia agoba tate, ata agoba la menarita, yia agoba musala ya, ya malongate, ata agoba musala, le agoba la musala mogo ya, ya passi, yia vanga, il faut ça la galigoso boye. Ils sont en train d'écrire l'histoire. C'est comme ça qu'on a amené vers Jésus la femme s'est pris en flagrant délit d'adultère. Bah, dans moi, c'est le même papa, Yesu, le Yesu. Cette femme, c'est une femme adultère. Mais ils étaient tellement longtemps, ils ont fait ces mal-là. Où était le mari? Il y a un moment qui passe par la mini victime dans la vie. Parce que Kimbumba a deux. On devrait amener aussi deux personnes pour passer à la mini. Bah, lapider, vraiment. Les gens qui vont lapider, maman. Si vous voulez, maman, vous êtes victime. Mais heureusement que Jésus-Christ est venu pour vous. Heureusement que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous. Heureusement que Jésus-Christ est venu vous rendre libre. Dans le monde éternel. Pardon, décidez ça, on a eu. Il est écrit que toute femme qui sera surprise en fondant des lits d'adultère, cette femme sera condamnée. Pardon, qui était déjà écrit. Yes, moyen, yo, boya, et daté, tu ne peux pas répéter Jésus. Cette femme est condamnée. Tu vois que l'État, tu es déjà condamné à ne pas te marier. Soit à te marier en retard. On a condamné les vies, alors, et pour gâter, puisque c'est déjà écrit. Mais heureusement, nous avons quelqu'un qui change les données. Nous avons quelqu'un qui change l'histoire de la vie. Tu vois, ces gens qui t'ont rejeté, ils vont t'accueillir demain. Ces gens qui t'ont rejeté hier, demain, ils vont te chercher. Ceux qui t'ont rejeté hier, ils vont te valoriser demain. Dieu cherche les simples choses de la vie pour comprendre la
sagesse de ce monde. Amen. Ma soeur, c'est toi le choix de Dieu. Amen. Mon père, c'est toi le choix de Dieu. Amen. Moi, je suis appris de te voir rouler dans une belle voiture. Amen. C'est la terre en bas qu'on a porté à la voiture. Amen. À cause de la route. Amen. Moi, je passe par toi à l'Olène, ouais, je vais venir. Au moins, parce que je suis sorti dans la gagne, moi, je vais m'en tirer là. Oh, maman. Afin de que si vous m'appelez la matière du colo, si vous m'appelez la matière du colo, vous m'appelez la matière du colo. T'as la vie pour le chat. Amen. Si vous m'appelez la matière du colo, il y a la matière du colo. Amen. Tu arriveras, ma soeur. Amen. Tu arriveras. Au moment où, mon chéri, mon chouchou, il faut bien regarder. Il faut pour bien la combo la responsabilité. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour plaire. Il y a aussi un temps pour se réjouir. Tu n'es venu accompagner personne sur la terre. Tu as beaucoup plaire à cesser. Casser et trop, c'est faux. Bah, comment, yes, monsieur, comment que moi sur le photo pour moi, yes, ta vie est réclamée par les démons. Mais il y a quelqu'un qui peut changer l'histoire de la vie. Bah, yes, je suis convaincu d'économie. Ni. Grand prêtre de Jésus, Père Fanny. À nous dire la honte à la maman. Bah, mais c'est déjà la honte. Écris, t'es à mon moment. Bah, y'a des au combat la tête, j'ai mis sa bambou, balopi soloté, mon père si ma balle, à la bambou, à la la kate, à l'imba kate, baye bisio, au cosal, est-ce que vous avez dit que vous avez dit papa? Amen, amen. Au combat la tête, j'ai papa doudou, j'ai mis sa bambou, balopi soloté, mon père si ma balle, à la bambou, ala la kate, alimba kate, oh gaina lini, yeah, gambolo gaina lini, namote. Balobi kia milangi, tarakosi. Amen. Balobi kia umelami, nyokokota mapasa. Amen. Balobi abena yo etula. Babena yo, kombo y fatigue, je vi pe change l'histoire de ta vie. Amen. Gaina lini, yeah, gambolo gaina lini. Amen. Yeah.
Ce fut le 11-11 à 11h du soir d'une certaine année que Dieu envoya au monde son serviteur Commissa Soleil pour éclairer les ténèbres de ce monde. La repentance, le retour du Christ, l'enlèvement de l'Église, la délivrance, la puissance, la plénitude et l'onction du Saint-Esprit sont les messages que le révérend pasteur Soleil Commissa annonce à travers l'humanité. Suite à ces puissants messages révolutionnaires, des nombreuses vies ont été radicalement transformées. Dans chacune de ces réunions, les gens ont toujours expérimenté et témoigné de la main agissante de Dieu. Des vies sont sauvées et abondamment bénies à l'écoute de cet homme que Dieu utilise puissamment. Avec ses messages christocentriques, Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je navigue sur ce chemin.